FIFO et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, encore une, la première de 2015 et aujourd'hui on fait les armes en 3D, Stephanus 3D Gun Mode, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc je vais vous présenter comme d'habitude parce que moi je suis un FIFO pour 2015, et bah oui, regardez-moi, oui je suis bon, on va peut-être perdre notre temps. Voilà le contenu du mode. Alors, oui il y a beaucoup de choses, donc ça c'est toutes les armes, les munitions, et ça c'est des objets divers. Ça c'est un jetpack, ça c'est une grenade, et ça c'est un couteau. Je vais vous le montrer tout de suite, ce sera fait. Alors le jetpack, on va le mettre parce que oui il se met ici. Non, il se met ici, voilà, il se met à la place du plastron, et il rend comme ça, il rend plutôt bien. Par contre, petit problème, on ne peut pas voler avec. Enfin là je suis en créatif, mais si je me mets en survie si je me mets en survie, mais je peux pas voler avec, donc voilà, il y a un petit problème. Peut-être que je dois l'activer avec quelque chose comme, je sais pas, je l'active, un truc comme ça, je sais vraiment pas. Ou peut-être qu'il y a des munitions dans le jetpack, justement, c'est tout à fait possible. Je découvre le mode avec vous, hein. je sais pas moi, bon. Apparemment le jetpack est en cours de programmation. Mais bon, il rend quand même bien dans l'inventaire et pour se donner un style, genre voilà. Ça c'est un couteau. Un couteau. Qui a un bug graphique, hein, je ne sais pas si vous remarquez. Mais il a un bug graphique. Ouais. Donc, je vais faire spawner un mob. Alors, zombie. Je sais pas. Mais bon, le couteau ça sert à l'achever encore plus. Et il fait quand même 6 de dégâts. Donc ça fait beaucoup de dégâts. Par contre on va mettre la nuit vu qu'il y avait la brûlure. On va mettre la nuit. Alors c'est ici. C'est ici plutôt. Voilà. Donc ça c'est un zombie. Ça c'est deux zombies. À coup de grenade, on s'en fout. Voilà, donc ils sont morts, hein, sinon tout va bien pour ça. Donc la grenade, elle explose, et elle explose autant qu'une TNT normale. Hein. Et le couteau, on peut le lancer aussi. Hein. Voilà, je lance plein de couteaux, tu vois. Et puis après, vous pouvez les ramasser. Voilà, donc, par exemple, donc, le zombie, je lui lance un couteau en pleine gueule. Et ben il meurt. Hein. Trois coups de couteau à lancer, et puis... Maintenant j'ai plein de couteaux. Donc voilà, donc c'est plutôt cool quand même que qu'il y ait ça. Alors maintenant les armes. Et je vais prendre ça. Ah oui, je suis toujours en train de laguer à mort. C'est comme d'habitude. Alors, oui, je reste silencieux. C'est parce que je me concentre. Parce que des fois, j'oublie que je tourne. Voilà. Donc, ça, c'est le M911. Et vous pouvez tirer comme ça, c'est trop cool. Alors, bien sûr, ça ne rentre pas dans l'inventaire. Hein. Bon, ça se traduirait par mini-pistolet. Hein. Bon. Donc, ça, c'est clic droit qu'on fait comme ça, c'est trop cool. C'est juste énorme. Par contre j'ai besoin de... oui, j'ai besoin d'un mob. Je crois qu'il ne veut pas. Comment se fait-il? Alors comment on fait pour tirer, j'aimerais bien savoir. Alors là, oui, je sais faire comme ça, mais après je sais pas.
clic gauche. Shift, shift, clic gauche peut-être. C'est trop cool, c'est juste trop cool. Oui, j'arrive pas à tirer, bon c'est pas grave. Ah, on a que 47 maintenant. On n'a que 47 en or. Je sais pas qu'est-ce qui a poussé le créateur du mode à inventer de la K47 dans l'or, mais bon. Oh! Ah, je crois que l'autre pistolet là, l'autre je n'avais pas de munitions adéquates. Et bah tu sais quoi, on va tous les mettre et... On va tous les mettre les munitions, tous dans l'inventaire. Alors ça n'est pas une munition en fait, c'est pour construire le P90 dont je vais vous montrer les recettes de craft dans pas longtemps. En chat, je sais pas à quoi ça sert, alors bon, je l'ai mis quand même dans l'inventaire. Alors sinon, il y a le même pistolet mais en double. Donc en gros, deux pistolets comme ça. C'est trop cool. Bien sûr, bon. C'est trop cool, c'est juste trop classe. C'est juste très trop classe même, trop. Pistolet de cowboy en fait finalement. Meurs, mourrez, pourquoi je me loupe? Mourrez. Dieu. Bon, il est temps de faire un headshot. Si ce con veut bien tirer. Dieu. Je crois que je n'ai plus de munitions, et eh bien c'est exact. Apparemment les munitions, même en créatif, ça se consomme comme on survit. Du coup, je vais faire ça tout de suite. Peut-on les empiler? Ce serait bien. Ce serait bien de pouvoir les empiler. Ah bah non, on peut pas les empiler apparemment. Bon, ce n'est pas grave, on fera avec. Mourez, mourez. Fuyez. Je m'en fous, je vais les achever quand même, je m'en fous. Sur les mobs. L'autre, je vais aller l'achever, je m'en fous, je vais aller l'achever. Il est où? Je crois qu'il s'est suicidé. Je m'en fous, je vais aller quand même dégommer cette vache là-bas. C'est juste épique en fait. Je crois que je n'ai plus de munitions, c'est exact. Du coup, je n'ai plus besoin de cet AK-47. C'est épique, c'est juste épique. AK-47. Regardez comment que ça rentre dans la main, j'adore. J'adore le style. Ah, je vous jure, c'est trop classe. C'est juste... Wow! Faut que je fasse gaffe.
Parce que apparemment on tire avec clic gauche. Ah, tu es là, toi. C'est un sniper, ça c'est un sniper haut de blanc. Alors c'est bon. Je crois que ça s'appelle ammo en anglais. Oui, c'est celle-là. J'adore cette arme. J'adore juste cette arme. C'est génial. C'est juste génial. Je sais pas si vous vous rendez compte. On va pas faire toutes les armes, on va juste en faire quelques-unes, c'est tout. C'est génial, c'est juste génial. Ce mode est juste génial. Bon, par contre, c'est un problème en fait, le créatif, tu es obligé de te resservir en ammo à chaque fois. C'est pas comme en créatif avec les arcs, genre ça tire une flèche même si t'en as pas dans dans l'inventaire. C'est pas comme pour les arcs, c'est un problème. Ou alors la K47 en or, je sais pas qui c'est qui a créé, ce créateur a créé ça. Le M16, un sniper, un autre sniper, un minigun. Et un ASVAL qui ressemble plus à un MP5 ou je sais plus comment ça s'appelle, enfin un petit fusil. Petit fusil laser. Vu le bruit en même temps. Bon. Alors, il y a d'autres armes. Damage. RPG, RPG. RPG, c'est un lance-roquette. Parce que la munition, c'est une roquette. Voilà, donc je me disais, c'est génial. Après, on va revoir les recettes de craft après. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, le RPG, c'est juste génial, en fait, le RPG. Alors soit ça lag, soit j'ai un bug. Oui, d'accord. D'accord. Bon bah adieu mon coffre. Hein. Sinon. Donc voilà, les armes sont à peu près toutes les mêmes. Elles font environ à peu près 6 coeurs par tir. Mais mon arme préférée reste l'AK-47 et la roquette. Même si toutes les autres armes, par exemple le sniper. C'est un sniper ça, ou alors celui-là c'est aussi un sniper. Un sniper tout blanc. C'est quoi le nom? P90, M60. Je vais prendre le P90 même si je ne sais pas ce que c'est. P90, ammo. Est-ce que le... Alors, oui, il y a trois sortes d'ammo. Ça c'est pour les pistolets de cobalt, les petits pistolets, et les doubles pistolets. Ça c'est pour le sniper M14 DMR. Est-ce que je l'ai par ici? Ah, ça c'est un vrai sniper par contre, oui. Donc l'ammo c'est ça que tu dis, c'est ça c'est pour les petits pistolets, ça c'est pour toutes les autres armes. Voilà. Donc ça par contre c'est un vrai sniper apparemment. Ah oui, ça par contre c'est un vrai sniper, ça je confirme. Adieu! Soit j'ai un bug. Ah d'accord, en fait il faut obligatoirement tirer sur un bloc en fait. On peut pas tirer comme ça en fait, faut tirer sur un bloc. Ah oui, je vais. Je crois que je n'ai plus de munitions. Et j'en ai toujours, what the fuck. Bon. Pourquoi tu ne meurs pas? Meurs! Et ah
Bah, en fait, c'est juste que je laguais, en fait. Lol. Bon, et eh bien, on va maintenant passer aux recettes de craft. On va nettoyer un peu tout cet inventaire. Et puis, passer aux recettes de craft. Parce que c'est très important, les recettes de craft. Et j'oublie souvent. Donc, pour crafter toutes les armes, bah, je vais vous expliquer ça tout de suite. Hein. Je vous ai dit, je commencerai l'année par une présentation de mode long. La prochaine présentation de mode sera encore plus longue. Et j'ai choisi le mode, ce sera une surprise pour vous. Mais voilà, donc pour crafter l'AK-47, il faut un barrel qui se crafte comment? Un barrel, c'est trois fers. Et après, il y a un suppresseur avec un barrel et deux fers. Bon, je vais vous expliquer ça après. Donc le barrel se craft avec trois fers. C'était marqué là. Quelque part. Ah oui, c'était marqué là. Donc la K47 se craft avec un barrel, trois fers et un levier. La K47 en or se craft avec, à la place du fer, de l'or. Mais je pense que ça aurait été mieux, genre, tu mets un AK-47 et un bloc d'or dans le crafting table et ça fera un AK-47 en or, ce serait plutôt cool. Le M16 se craft avec un barrel, 4 fers et un levier. Un P90 se craft avec un barrel et un P90 body qui se craft avec 5 encres. On va savoir pourquoi d'ailleurs 5 encres. Hein. Donc 5 encres, 3 fers et un levier. Et ça fait un P90 body. Et tu mets ça avec un barrel, ça fait un P90. M60 se craft avec un ACOG. Un ACOG qui se craft comme ça. Donc 5 fers, un vert et un redstone. Et donc, j'en étais où? Oui, c'était un M60. Donc un ACOG, un barrel, 3 fers et un levier, ça fait un M60. Un minigun qu'on n'a pas pu tester parce que j'avais la flemme. 3 barrels, cette fois-ci 3 barrels, 2 fers, un bois normal et un levier, ça fait un minigun. 2 minigun et un iron, un fer, ça fait un jetpack. Voilà, comme ça c'est fait. Les munitions automatiques qui se craftent, qui s'utilisent avec au moins 95% des armes, donc AK-47, M60, etc., se craftent avec 6 fers et un gunpowder, et ça fait des munitions automatiques utilisées par toutes ces armes-là. Minigun bullet. Alors ça c'est un minigun bullet. Oui. Ça c'est les balles des miniguns, donc des mini pistolets. Ça se craft avec 5, 6, 6 fers et un gunpowder. Et ça fait des miniguns bullets. Un sniper ammo, ça fait 5 fers et 3 gunpowder. Et ça fait un sniper ammo. Un RPG roquette se craft avec 5 fers et un gunpowder comme ça. Un pistolet à mot, ça fait 6 fers et 3 gunpowder. Un shotgun shell se craft comme ça. J'ai la flemme de dire. Donc un M14 DMR se craft avec un barrel. Un scope qui se craft comme ça. Voilà, un scope ça se craft comme ça. Donc après 3 fers et un levier. On est d'accord. Un ACOG, on avait vu. Une grenade, ça se fait avec ça. Et ça vous fait 8 grenades. Hein. Un couteau, ça vous fait avec ça. Simple. AS Val, ça se craft comme ça. Un suppresseur, je sais pas à quoi ça sert un suppresseur. C'est pour créer... Ah! Attendez. L'AS Val, ça ne se craft pas avec un truc, ça se craft avec un suppresseur. Suppresseur se craft avec 2 fers et 1 barrel. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. Alors par contre, je vais tout de suite tester, vu que le jetpack est fait de minigun. Est-ce qu'il faut un minigun bullet pour utiliser le jetpack?
crois, oui. Je sais pas. On va tout de suite tester Jetpack. Ah, Ned Minigun Bullet. Je me disais bien aussi, c'est fait de minigun. Alors pourquoi? Pourquoi? Alors, non, non, je vais m'équiper de ça. Et maintenant, je peux voler. Voilà. Par contre, ça c'est cool comme... Voilà, même si vous restez sur place, ça se consomme quand même. Et quand vous en avez plus, vous retombez comme une grosse merde. Voilà. Ça c'est dit. Voilà, donc c'était petite présentation de mode courte mais sympa. Donc avec un stack, vous pouvez tenir environ 10 secondes. Donc c'est génial. Bon, je répète, les miniguns, ça se craft facilement, hein. Faut juste farmer du fer et tuer des creepers, ça vous fait 4 minigun bullets, donc c'est bien. Donc voilà. Donc cette petite présentation de mode. Donc avec l'autre là qui va arriver bientôt, qui durera au moins une demi-heure parce que c'est un mode extrêmement avec beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dedans. Donc je vais pas vous dire le mode. Mais ça va arriver très bientôt. Ça va arriver en janvier, ça c'est sûr. Ou peut-être pas, j'en sais rien. Donc c'était Fifou pour une présentation de mode sur Stephinus 3D Gun Mod. Le lien pour télécharger sera dans la description, bien évidemment. Ça c'est comme d'habitude. Donc abonnez-vous, likez, commentez, voilà. Likez-nous sur Facebook. Et suivez-nous sur Twitter, @FifouLeTrueGame, évidemment, comme d'habitude. Après, si vous avez toute suggestion, remarque, commentez ou alors envoyez un mail à FifouLeTrueGame@gmail.com. Voilà. Oui la vache, oui je sais, ma chaîne est extrêmement bien. Oui je sais. Elle est juste en face de moi cette conne. Ouais. Donc c'était Fifou. Et salut à tous. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Et salut à tous.